C'est une artère incontournable en Île-de-France. Longue de 35 km, c'est l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe. Chaque jour, nous sommes plus d'un million d'automobilistes à emprunter le périphérique. Et le bordel ? Il y a trop de voitures, la limitation de vitesse est complètement stupide. Depuis des mois, élus parisiens et candidats en campagne imaginent des propositions pour modifier l'anneau, voire même pour le faire disparaître. Impératif qu'on le garde, hein. Franchement, c'est impératif qu'on le garde. Plusieurs projets visent à transformer la rocade en une version plus moderne et moins congestionnée. Mais la route est longue, car on le sait bien, il faudra plusieurs années pour métamorphoser l'axe parisien. C'était il y a quelques mois. Des centaines de vélos sur le périphérique. L'autoroute urbaine fermée aux voitures s'était transformée en un vélodrome éphémère d'un kilomètre, de la porte de Pantin à la porte de la Villette. Ça fait du bien de partager un peu les équipements qui sont liés qu'aux voitures, aux piétons et aux cyclistes. En fait, si on regarde un petit peu plus bas, on voit les voitures qui sont bloquées et c'est en permanence comme ça sur le périph. Et là, c'était juste à faire et à voir une fois dans sa vie. Un périphérique sans voiture, voilà à quoi pourrait ressembler le Paris de demain. Sur cette carte que nous nous sommes procurée auprès d'Air Parif, l'organisme en charge de la qualité de l'air, on observe une diminution sensible de la pollution atmosphérique sur la portion fermée aux automobilistes cette nuit-là. En finir avec la pollution sur la rocade, c'est justement l'objectif de certains élus et candidats aux élections municipales de 2020. Et chacun a son projet pour la boucle de 35 km. Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande, est sans doute le plus radical. Il faut se débarrasser du périphérique, qui en plus est une autoroute polluante, 2x4 voies, qui est à l'origine de l'essentiel de la pollution sonore et atmosphérique en Île-de-France. De son côté, Benjamin Griveaux, qui vise lui aussi la magistrature parisienne, souhaite un référendum sur le sujet. Il n'est pas souhaitable de le détruire, parce que demain, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse y rouler, mais y rouler différemment, partagé, propre, et en commun et avec des transports plus collectifs. David Béliard, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, veut transformer le périphérique en un lieu de vie. L'idéal, ça serait un périphérique où, évidemment, on n'entendrait plus ce bruit-là, on aurait beaucoup moins de voitures, voire quasiment plus, que des véhicules propres, que des véhicules partagés. La mairie de Paris envisage elle aussi plusieurs axes de transformation. Certains d'entre eux pourront même être expérimentés dans les prochains mois. Je pense qu'à terme, le périphérique sera un couloir vert. Ce qui est réaliste, c'est d'avoir une voie réservée. Ce qui est réaliste, c'est de ralentir la vitesse. Ce qui est réaliste, c'est de végétaliser. Avant de couper... Avril 1973, après 17 ans de travaux, Pierre Messmer, le premier ministre de Georges Pompidou, inaugure le dernier tronçon du boulevard périphérique, de la Porte Maillot à la Porte d'Asnières. Cette œuvre est un succès. C'est un succès d'abord par rapport à sa destination. La raison d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris. 47 ans plus tard, le périphérique concentre près de la moitié du trafic parisien. J'ai pas le choix pour le travail. Périphérique, c'est quand même l'accès le plus facile pour aller d'un point à un autre dans Paris. Si ça circule. C'est le bordel. Il y a trop de voitures, la limitation de vitesse est complètement stupide. On pollue plus qu'autre chose. L'une des premières mesures qui pourrait être mise en place peu après les élections municipales pour décongestionner l'axe parisien est la réduction de la vitesse maximale à 50 km/h. Une petite révolution qui fait déjà grincer des dents certains habitués, à commencer par cet ambulancier. Ça va nous ralentir, hein. Surtout si on a des urgences à faire, des patients à emmener, ça va pas être efficace. Hein. Je pense qu'il y aura moins d'accidents quand même, mais... Pour moi, ça va pas faire grand-chose, quoi. Ça va plutôt bouchonner que fluidifier le périph. Malheureusement, sur l'île de France, il y a beaucoup d'automobiles, beaucoup de gens se servent de leur voiture et on verra bien.
Un périphérique limité à 50 km/h pourrait aussi contribuer à réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution, ainsi que le nombre d'accidents. Mais avec cette mesure, cet entrepreneur francilien craint de perdre plus de temps sur la route. Impossible pour lui d'envisager d'autres moyens de déplacement dans la région. On a des grosses caisses, on a des perfos qui pèsent entre 15 et 20 kilos, on a du matériel qui prend énormément de place, donc non, on peut, malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres véhicules que les voitures. L'hypothèse d'une limitation de vitesse à 50 km/h inquiète aussi le MEDEF. Le mouvement patronal demande ainsi qu'une étude approfondie sur l'impact socio-économique soit menée. On évalue une mesure comme ça, on se dit qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner sur le trafic. On peut le faire par exemple à différentes périodes de la journée, on peut le faire dans différentes journées également, donc on puisse discuter un peu de ce que ça va donner, et pas seulement de dire, ben voilà, on va le faire l'année prochaine, pourquoi pas. Il y a 6 ans, la vitesse maximale avait déjà été abaissée de 80 à 70 km/h sur le périphérique. Avec ce passage à 50, cette association d'automobilistes redoute davantage de verbalisation. On est passé à 70 sans qu'on démontre quoi que ce soit d'amélioration en termes de pollution, ni d'ailleurs de bruit. Donc finalement, on va encore descendre la vitesse, ralentir les gens. Les radars vont flasher davantage, puisque dès que le périphérique est un peu libre, pour rouler à 50 sur une 2x3 voies, c'est quand même extrêmement difficile. Donc on voit bien que c'est encore une fois pour pénaliser l'automobiliste et que ça n'apporte pas grand-chose aux Parisiens, sinon des messages pour les élections. Qu'en est-il de faire complètement disparaître le périphérique? Certains riverains et automobilistes que nous avons rencontrés ont du mal à imaginer la capitale sans cet axe routier. C'est impératif qu'on le garde, hein. Franchement, c'est impératif qu'on le garde. Sinon, ça va être, à mon avis, très très compliqué. Je pense qu'on peut le supprimer si on fait une route un peu plus loin, un peu à l'extérieur de Paris. On a pas mal d'espace un peu plus loin, ce serait pas mal. Je pense que c'est une bonne chose. Donc ouais, je voterai pour le supprimer, ouais. Je trouve ça bête comme idée. Enfin, ils devraient pas faire ça, puisque pour la circulation, déjà que c'est assez compliqué à Paris, si en plus ils suppriment le périphérique, ce sera pire. Pour le moment, ce qui est entrepris, c'est surtout de lutter contre les nuisances liées au bruit. Ce soir-là, la circulation est coupée sur l'autoroute urbaine. Des hommes sont à pied d'œuvre pour appliquer 900 tonnes de bitume brûlant dans le secteur de la Porte de la Muette. Il faut qu'on soit minimum à 150 degrés. Et là, on est à 160 degrés. C'est parfait. Ce revêtement a été conçu pour être moins bruyant que les enrobés ordinaires. Ce nouveau tapis devrait donc avoir un impact pour les usagers. Pour l'automobiliste dans sa voiture, on a clairement une sensation de confort par l'abaissement du niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle et une sensation finalement de tapis puisqu'on réalise les enrobés en pleine largeur sans aucun joint longitudinal, ce qui évite les soubresauts dans le roulement. Plus de 100 000 franciliens sont actuellement exposés au bruit du périphérique. À ce jour, la moitié du boulevard est équipée de cet enrobé phonique. Mais ce revêtement tient-il ses promesses? Ce matin-là, le laboratoire de la ville de Paris effectue des mesures acoustiques sur ce nouveau bitume. Voilà, là c'est la limite. Vous entendez, c'est beaucoup plus sourd, non? Au final, ce sont 7 décibels de moins. Pour certains riverains, ce n'est pas encore satisfaisant. À Charenton, Alain Maillard vit à 20 mètres seulement du périphérique. Ça n'a rien changé. La nuit, un peu moins parce qu'il y a moins de voitures. Mais quand on commence à arriver aux alentours de 6 heures du matin, là, c'est un désastre. Ce nouveau revêtement a déjà coûté 18 millions d'euros à la ville de Paris pendant la dernière mandature. Et des transformations plus innovantes sont actuellement à l'étude. À quoi ressemblera le périphérique de demain ?
plusieurs équipes d'architectes urbanistes ont posé sur le papier leur vision du boulevard en 2050. David Mangin souhaite d'abord décongestionner les autoroutes environnantes. Il faut transformer les autoroutes et installer dessus, comme le font un très grand nombre de grandes mégapoles mondiales, des bus à haut niveau de service, comme on dit, c'est-à-dire rapides, pas chers, et qui vont avoir une fréquence et une sécurité de circulation très grande. Son idée est ensuite de récupérer des voies du périphérique et de les relier aux espaces verts déjà existants. Donc le boulevard extérieur se transforme et il y a une navette, des navettes qui tournent autour et qu'on peut prendre un peu n'importe où. Le boulevard intérieur se transforme en une espèce de grand parkway, parc linéaire, un ruban vert, et qui permettent d'avoir de vraies véloroutes pour cette affaire de périphérique. Au-delà des problèmes de régler les problèmes de congestion et de pollution, il faut avoir un vrai désir de transformer l'image de Paris avec un projet à la hauteur et qu'on saura gérer dans le temps. Autre projet, celui de Madeleine Mas. Il consiste à parier sur les nouvelles technologies pour réduire trafic et pollution à l'horizon 2050. On a souhaité regarder les technologies au service du transport collectif ou du mass transit, en tout cas du déplacement du plus grand nombre dans la métropole. Et pour ça, on a regardé notamment la question des navettes autonomes, des transports collectifs, mais à la demande. Donc comment ces navettes peuvent aller dans les territoires diffus, aller chercher les gens et leur permettre de se déplacer dans la métropole. On a aussi regardé la technologie du platooning, c'est-à-dire les véhicules qui sont éclatés et qui vont aller chercher dans les territoires un peu lointains où habitent les gens et qui se pluguent sur une infrastructure unique comme l'autoroute ou comme un axe, un faisceau ferroviaire, enfin ce genre de choses, et comment ces véhicules peuvent se repluguer pour pouvoir ensuite s'éclater dans le cœur de la métropole. Selon les spécialistes, toutes les transformations du périphérique devront se faire en douceur, de concert avec les communes limitrophes, pour ne pas perturber la mobilité des Franciliens. Ce qu'on observe ailleurs dans le monde, c'est qu'il y a bien cette notion d'apaisement général qui se retrouve, apaisement par rapport au bruit, apaisement dans l'énervement des embouteillages, apaisement à tout point de vue. Donc les tissus urbains environnants vont bénéficier de cet apaisement, voilà. Le jour où ça sera fait. Mais toute la question, c'est le chemin pour y arriver. Et c'est vrai que les élections municipales, c'est de tracer un chemin. Le but, tout le monde est d'accord, c'est le chemin qui diffère. La fin du périphérique dans sa version actuelle n'est peut-être pas pour demain. Mais à moyen terme, les élections municipales et les Jeux Olympiques vont accélérer plusieurs changements dans la région. Les transformations de l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe pourraient aussi bouleverser les habitudes de mobilité des Franciliens. 2024 sera donc l'une des premières étapes et pourrait préfigurer ce que sera le périphérique en 2050. La boucle parisienne de 35 km ne cesse de faire tourner les têtes et réserve bien des surprises ces prochaines années.